Arrête de me casser la CIE, Marc Lavoine se surprendra à la radio lors d'une étrange conversation. On ne présente plus Marc Lavoine. Chanteur, acteur et parolier, il est un homme aux multiples talents. Ce qui, pour une raison inexpliquée, n'aurait jamais entendu parler de lui. Non plus que faire sa connaissance après le dernier prime de la Star Academy, diffusé le samedi 19 novembre dernier. L'ancien compagnon de Line Papin était venu interpréter son tube « J'ai tout oublié » en duo avec Léa. Une séquence qui a beaucoup fait parler car à la fin de la prestation, l'interprète du parking des Anges s'est permis d'embrasser la jeune femme de 24 ans. Point dans le coup. Pas de quoi polémiquer toutefois selon cette dernière, qui a manifestement mieux vécu la scène que les téléspectateurs. Je l'ai très bien vécu parce que Marc Lavoine est bienveillant. Pendant les répétitions, il m'a énormément rassuré. Il s'est comporté comme un papa avec moi. J'ai adoré chanter à ses côtés et je retiens mon évolution. L'a en effet défendu la grande finaliste de la Star Academy, aux côtés d'Enola, Anisha et Louis. Si Marc Lavoine a accepté de venir chanter sur le plateau de la Star Academy, c'est parce qu'il a un nouvel album. Adulte Jamais, dont il doit assurer la promotion. C'est pourquoi il est ce samedi 26 novembre au micro de RFM. Dans l'émission présentée par Bernard Montiel. Mais dans un extrait dévoilé en exclusivité par Gala. Alors que le chroniqueur de Touche Pas à mon poste s'apprêtait à annoncer sa présence. Le chanteur a laissé s'échapper une phrase qui n'est pas passée inaperçue. Arrête de me casser la CIE, a en effet déclaré Marc Lavoine, qui venait de terminer son propos. De quoi était-il alors en train de parler? Les auditeurs n'ont malheureusement jamais eu la réponse. Cette petite gourde a toutefois beaucoup amusé Bernard Montiel qui, après une franche rigolade, a poursuivi l'interview comme si de rien n'était.